Bonjour, nous allons parler ensemble de la nouvelle lune du 5 avril. Cette nouvelle lune du 5 avril, elle est intéressante à plus d'un titre. Pourquoi? Parce que, je reboucle, j'en ai déjà parlé, mais c'est bon de le revoir, l'année astrologique, finalement, elle ne démarre pas le 1er janvier, elle démarre le 21 mars avec l'arrivée du soleil qui annonce le printemps avec le bélier, qui annonce ce renouveau de la nature qui s'éveille. Avec tout ce printemps de vie qui va trouver son essence, sa flamboyance avec l'été, qui va trouver son renouvellement avec l'automne, son équilibre, et qui va passer au moment de gestation pendant que les graines vont être dans le sol, pendant l'hiver, avant de renaître encore une fois au printemps. Toute la synergie de l'astrologie repose sur ces cycles des saisons, il faut jamais l'oublier. Donc cette première nouvelle lune du 5 avril, c'est la première nouvelle lune de l'année astrologique en quelque sorte, donc elle est extrêmement importante. Donc elle est en bélier, elle se fait en plein milieu du signe du bélier, donc elle va me donner une pêche au bélier, déjà pour commencer. Mes béliers, nouvelle lune chez vous, il faut bien qu'elle arrive, ça vous redonne, ça vous requinque, un max là, le 5 avril, pour tout un cycle de lune en fait. Elle est excellente. Excellente pour les Gémeaux, excellente encore mieux pour les Lions, là c'est un vrai trigone, un sextile, un trigone, c'est excellent, excellent pour mes Sagittaires aussi, ça c'est bon à prendre avec en toile de fond Jupiter, en ce moment les signes de feu vous êtes gâtés, hein. Bélier, Lion, Sagittaire, vous m'avez Jupiter d'un côté et une nouvelle lune en Bélier qui amorce de l'autre, donc en ce moment mes signes de feu c'est la pêche. Il faut y aller super positif. Tout ce qu'on met en place en ce moment a plus de chances que d'habitude de porter ses fruits. Les graines qu'on plante actuellement sont bonnes, sont productives. Ça ouvre des perspectives. Il faut y aller. C'est excellent aussi donc cette nouvelle lune pour mes deux signes en sextile, donc pour mes Verseaux et puis pour mes Gémeaux, qui eux bénéficient de cet aspect protecteur bienveillant pour vous placer dans cette synergie de nouveauté, de réactivité, d'envie d'aller de l'avant, envie de créer, envie d'ouvrir. J'aime beaucoup le principe d'ouverture, ouverture d'esprit, ouverture au lien, au contact, aux rencontres, etc. Parce qu'il faut, surtout vous qui êtes des signes d'air, hein, mes Gémeaux et puis mes Verseaux, le renouvellement j'allais dire, de matière humaine, mais de contact, est un excellent aliment pour vous sur un plan psychique. Voir, naviguer autour de vous des profils très différents et d'une richesse sur le plan humain sur lequel vous prenez et vous donnez. C'est un jeu d'échange qui vous fait un bien fou. Surtout pas de repli, quoi. Donc une nouvelle lune qui vous pousse, qui vous stimule. Très productive. Donc juste gaffe, la journée du 5 avril, le vendredi, pour mes cancers, ouais, mes balances et mes capricornes. Bon, voilà, il y a Cancer, Balance, Capricorne, tous les trois, juste vendredi, surtout les deuxièmes décans, vous n'êtes plus concerné que les autres, tout ce qui est friction, on oublie, quoi, hein. Vous risquez d'être un peu plus agacé que d'habitude, juste le passage, non, pas grave, on digère, on passe à autre chose, on laisse passer l'orage. Sinon, pour les autres, on a vu, hein, il y en a cinq pour qui c'est super bon. Et puis, malgré cette nouvelle lune, il y a ceux qui sont neutres, ceux qui ne sont pas concernés, ceux dont je n'ai pas parlé, ceux qui cette nouvelle lune ne forme aucun aspect. Donc, je vais regarder, pour vous donner un peu de matière quand même, ce qu'il y a autour de cette nouvelle lune en matière d'influence planétaire, parce que c'est très riche. Les planètes, elles tournent en permanence autour de nous à des signes différents. Et donc, il y en a toujours une qui nous concerne à un moment ou un autre. C'est extrêmement rare quand il n'y a aucun passage planétaire. Rare, parfois j'en oublie, mais parce que ce n'est pas majeur, mais bon. J'ai compris que parfois j'en oublie et je suis tout désolé. Donc il y a une nouvelle planète qui arrive juste après cette pleine lune, là, dans cette série-là. C'est Vénus, l'amour. Moi je suis très toujours sensible à l'amour. Et cette Vénus qui rentre en poisson. Vénus en poisson, c'est une position de maîtrise de Vénus. En fait, plus précisément, Vénus en poisson, elle est exaltée. Exaltée, ça veut dire qu'elle est quasiment au max de sa puissance. Vénus, c'est la vie amoureuse. Et il y a un renouvellement, là, à partir de cette nouvelle lune. Ce renouvellement, c'est quoi? C'est que Vénus, l'amour, en poisson, prend encore plus de puissance. Plus de puissance, pourquoi? Parce qu'elle est dans un signe avec qui elle a des affinités. On en parlera un jour des maîtrises planétaires. Chaque planète a un, deux, voire trois endroits où elle est chez elle, en gros. Et quand une planète est chez elle, elle a
plus de portée, plus de puissance, plus d'influence. Donc Vénus en poisson, c'est son cas, hein, il donne naturellement plus de charme, de délicatesse aux poissons qu'à d'autres. Les autres endroits où Vénus est en maîtrise, c'est en taureau, il y a toujours un charme chez le taureau, souvent un charme physique. Et puis chez la balance, c'est la quintessence de la Vénus, c'est la délicatesse, la gentillesse, l'affection, le rapprochement, si ça te fait plaisir à toi, ça me fait plaisir à moi. Que du bonheur, Vénus balance. Vénus en poisson, elle va être extrêmement sympathique avec 5 d'entre nous, qu'elle va gâter, mais pouf, profitez-en. Donc excellent pour mes poissons, on l'a vu, chez elle, tout va bien. Excellent pour mes taureaux, ça tombe bien, c'est le maître du signe, donc encore mieux. Les taureaux, ça, vous allez être super charmants, ça, c'est super génial. Vous êtes comme un poisson dans l'eau, sauf vous êtes taureau. Taureau, maîtrise de Vénus, bel aspect de Vénus, le charme max. Les cancers, Vénus est heureuse aussi chez vous. Il y a parfois un peu de réserve dans l'émotion du cancer, mais il y a une sensibilité profonde, un trigone, un bel aspect de Vénus en ce moment. Pour vous, côté cœur, c'est top, top, que des bonnes choses. C'est excellent aussi pour mes scorpions, ça va mettre du baume, ça va arrondir les angles. Moins d'agacement, moins d'expression directe. Je fais un petit clin d'œil, c'est comme ça que ça marche, on le sait. Éviter les aspérités relationnelles sur le plan affectif. Vénus, très bel aspect avec vous, forme ce baume au cœur, cette goutte d'huile qui arrondit les angles, cette approche tout en finesse dont vous êtes capables, les scorpions, et non pas l'approche boum rentre dedans, qui cristallise, paralyse, etc. Pareil pour les capricornes, même problème que les scorpions. Vous êtes des signes efficaces d'attaque, de résultantes offensives, sans filtre en quelque sorte. Avoir une influence de Vénus qui vous arrondit un peu les angles ne vous fait que du bien, ce n'est pas du luxe. Profitez-en, beau passage pour vous. Donc qui sont les gagnants? On les refait vite fait avec le côté affectif, encore une fois c'est plus important. Poisson, taureau, cancer, scorpion, capricorne. Que du bonheur. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre avec cette nouvelle lune? Il y a une autre arrivée d'un passage planétaire dont je reviendrai, j'en reparlerai, mais c'est Mars, l'action, qui quitte enfin le taureau où il était depuis un bout de temps. Mars entre en Gémeaux. Alors Mars en Gémeaux, il y a un truc rigolo que j'adore, c'est que j'appelle ça, quand j'en vois un dans un thème de naissance, j'appelle ça le syndrome MacGyver. Pourquoi le syndrome MacGyver? Si vous vous souvenez de cette émission, de cette série il y a quelques années, c'était un type, vous lui donniez un bout de ficelle et un cure-dent, et il vous trouvait une solution pour n'importe quoi. Il ouvrait les serrures, c'était magique. Et Mars en Gémeaux, s'il y en a bien un parmi tous qui propose ça, un côté super débrouillard, c'est lui. Donc Mars, l'action, Gémeaux, débrouillard, et bon, pour qui? Pour les Gémeaux, ça va vous donner une pêche, une énergie, etc. Attention à la fatigue nerveuse, mais en tout cas, là, pendant quelques jours, super pêche. Donc, si c'est bon pour les Gémeaux, pour qui est-ce que c'est bon aussi? Pour les deux signes à 60 degrés et pour les deux signes à 120 degrés. Qui est à 60 degrés des Gémeaux? Mes béliers, Mars, c'est votre maître, c'est super. Les lions, Mars vous apporte un bien fou, vous organise, vous rend linéaire. Les lions, vous n'attendez pas le dernier moment pour faire les choses, vous allez être mieux organisé, vous allez trouver l'énergie pour être plus linéaire dans l'effort, puis plus démerde pour trouver des solutions vite, c'est super. Pour qui c'est bon? Pour mes balances. Et les balances, on remonte les manches, on sort les doigts des poches, comme on dit. Et puis c'est bon aussi pour mes Verseaux, ça vous apporte de l'énergie, ça vous apporte un côté plus volontaire. Volontaire les Verseaux, vous êtes capable de l'être, mais souvent en réaction face à une situation qui vous contraint à l'être. Là, un apport de Mars vous donne envie de faire les choses que vous avez envie de faire, tout simplement, sans forcer, sans vous sentir coincé. Ça, c'est un très bel apport. Bon, ben voilà, c'est une nouvelle lune. Une nouvelle lune du 5 avril, la première de l'année astrologique, comme on disait. C'est super. Ah ouais, faut pas que j'oublie mes Vierges. J'ai failli les oublier, mes Vierges. Bonne Vierge, j'avais oublié mon signe. Les Vierges, en ce moment, il y a un ciel assez neutre, mais vous avez en toile de fond deux puissantes, mais deux super puissantes planètes qui vous veulent que du bien. Elles sont là. Les autres, les légères, sont un peu en vacances, mais les deux puissantes, c'est Saturne qui vous pousse à travailler sur une sorte de rail, d'autoroute, tout ce qui est en cours en ce moment, vous ne me lâchez rien. Et il y a Pluton qui développe votre intuition, votre instinct pour sentir quoi? Ceux qui vous veulent du bien,
Et ceux qui vous veulent peut-être moins de billes, on dégage vite fait, on ne cesse pas envahir. Et puis surtout, les vierges, vous êtes en train de travailler votre intuition. Et l'intuition, il faudra qu'on fasse un truc sur le sujet, parce que j'appelle ça l'intelligence émotionnelle. Et l'intelligence émotionnelle, c'est un plus extraordinaire. Il faut vraiment qu'on fasse un truc là-dessus, parce que c'est un enjeu de taille. On parle de l'intelligence analytique, mais on ne parle pas assez de l'intelligence émotionnelle. C'est un gros, gros, gros enjeu. Ok, allez, merci pour vos likes, vos clics, merci de vous abonner, si vous ne nous connaissez pas, abonnez-vous, quoi, parce qu'on en fait plein de trucs, plein de... Tout ce qui touche à l'astro nous passionne, et plus vous communiquez, plus ça, on est heureux, et plus on est en lien, et puis c'est positif, voilà. On se dit à très vite.